Allez, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier vol du tournoi Destination. Nous sommes sur un autre réseau, sans les haters, sans Payano et sans toute cette bande d'emmerdeurs notoires et de gens menteurs les uns que les autres. Je ne citerai pas les noms, hein, comme Mademoiselle Marie, Anna, Clotilde, Isa, bref, etc., etc. Donc voilà, donc aujourd'hui, eh bien, dernier vol sur un autre réseau, un nouveau réseau que j'ai découvert sans que j'en parle directement. Je ne vais pas donner le nom pour éviter que les haters y aient accès. Donc voilà, en tout cas, on est parti pour ce dernier vol. Je regarde un petit peu ma montre parce qu'il y a pas mal d'informations qui parviennent à ma montre directement. Donc voilà, j'espère que cette précédente vidéo sur le Cross the Lane vous aura plu, vous aura permis surtout d'ouvrir les yeux sur le comportement des haters, etc., etc., et de vous faire un petit peu ouvrir les yeux sur le fait que je n'ai jamais piraté qui que ce soit et sur le fait que on vous ment éternellement et que des gens comme Marie, Anna, Lisa, Clotilde et des gens peu scrupuleux avec leurs données informatiques croient ces haters alors que ne devraient pas. Voilà, on est parti pour ce dernier vol. Il me reste qu'à vous souhaiter un agréable visionnage. En tout cas, rendez-vous dans des prochains épisodes. Je vous laisse avec le vol, direction Paris-Orly. Allez, rebonsoir à tous, rebonsoir tout le monde. Ça y est, je vous emmène avec moi, destination Orly cette fois-ci. C'est la bonne, il y a eu quelques petits soucis vidéo tout à l'heure. Alors oui, il va falloir qu'on retourne. Donc, 1, 2, 6, 1. Donc, squawk 1, 2. Alors, 6, 1. Voilà. Hop. Ulico, accepting. Voilà. Alors, avant de démarrer et rouler, on va enclencher le moteur météo qui va, lui, nous accompagner jusqu'à Orly. Donc, j'espère que ce petit vol se passera bien. Normalement, il n'y a pas les haters. Normalement, voilà, ce réseau-là, ils ne le connaissent pas. C'est même tant mieux, on va pouvoir voler tranquillement et sereinement pour cette dernière édition du tournoi des 6 nations. Avant les autres événements du mois de février, il va y en avoir plusieurs sur ce mois de février. Je ne vais pas vous dire le nombre parce que moi je le sais. C'est surtout pour éviter que les haters puissent venir emmerder leur monde, mais normalement il ne devrait pas y avoir de réels soucis. Donc on attend le moteur météo. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais demander la TIS, départ, LIRF, send. J'attends d'avoir la sonnerie qui va bien. Alors, encore OK. Tac tac tac, flight information, ATIS request, départ, LIRF. Pourquoi il me dit que c'est pas dispo ce con? Alors ça c'est de plus en plus bizarre. Alors attends. Bah ça je l'ai déjà fait. Ah non, non, je sais pourquoi. IRF, j'étais pas dans le bon endroit. Alors, weather request. Voilà, 330 degrés, QNH 10-35, température de 7. Alors, QNH 10, 35, voilà, c'est réglé. Eh bien, on est d'accord. Je vais juste vérifier mon trim qui est à 5,21, qui n'était pas réglé. Ok, là, il l'est. Hop, je vais appeler le contrôleur sol. Bah, c'est ce qu'on avait prévu. Piste 25. C'est parfait.
Donc là, vous entendez en fond très peu, de manière très légère, la carte. C'est tout à fait normal puisqu'on est connecté à un réseau. Et donc en fait, ça prend le dessus sur les haut-parleurs et ainsi que sur le casque que je porte sur les oreilles. Donc rien d'anormal, rassurez-vous. C'est normal. Et donc là, on roule jusqu'à la piste. On va changer la fréquence, on va contacter la tour. Voilà. Je vais enclencher la car, le transpondeur. Et donc, en tout cas, un grand merci pour vos messages de soutien. Ça m'a fait super chaud au cœur d'avoir des commentaires sur la dernière vidéo du Cross the Land où vous avez pu voir que Payano et ses haters comme Marie, Anna, Lisa, Clotilde, etc., etc., se sont fait berner. Alors. J'allais tourner, heureusement que je l'ai repris, l'avion. On vole avec un PMDG 737-800. On s'est arrêté parce qu'il faut demander la clairance pour décoller. Voilà, on est autorisé décollage. Allez, au revoir l'Italie. Merci de nous avoir accueillis. Merci à l'aéroport de Fluminio à Rome de nous avoir accueillis. Retour à Paris. On y retourne, let's go. C'est parti, Utilots. Checked. V1. On décolle toujours avec de l'avance en termes de nœuds. On décolle avec 200 nœuds. Doucement sur le coup d'aileron. Et autopilote engagé. Voilà. On va monter les flaps. Flaps 1. Et flaps up. Je vais éteindre le runway turn off. Ok, pour la vitesse, on est bon. Voilà, donc on quitte Fluminio, destination Paris-Orly. Alors là, par contre, le FMC nous dit qu'il y a une route discontinuity. C'est pas grave. Voilà. Problème réglé. Et moi, je vous retrouve à l'arrivée à Orly tout à l'heure pour ce dernier vol. À tout à l'heure, tout le monde. Et merci de votre fidélité. Salut messieurs, dames, nous arrivons donc sur Orly, donc qui montre donc déjà la fin de notre parcours de ce tournoi destination. J'espère que ça vous aura plu. Et donc là, on est en approche de la piste 06. Donc voilà, pour l'instant, les haters n'étant pas là, eh bien, c'est une bonne soirée qui s'annonce. Et pour l'instant, c'est très calme. Ça y est, nous voici à Orly dans cette phase finale. Allez, on va tout de suite refaire Orly numéro 6. On va contacter la tour. Request for start landing. On est établi 06. 5 vents. Runway 8.
Ouais, c'est la même configuration qu'hier, donc c'est la piste 6 à l'atterrissage, et non la 8-6. De ce qu'indiquait tout à l'heure Flight Radar 24, et nous sommes établis, ça y est, le dernier vol touche donc à sa fin après plus d'une semaine et demie. Avec Speed Breakhound. Et là on rentre en région parisienne, et un grand merci donc à l'autre réseau de nous avoir permis ce test flight, le dernier de cette saison du tournoi destination. Ah oui, effectivement, il n'y a plus de pompe, il n'y a plus de fuel pompe, plus de carburant dans les pompes centraux. 3000. Continue, mademoiselle 06. Ah oui, à Clatland. Bon, on n'est pas encore clair, mais on voit déjà la piste. C'est très bien, ça nous arrange. On la voit déjà. Et la bonne nouvelle, il n'y aura pas eu du tout les haters, mais que ça fait du bien. On va pas trop crier victoire tout de suite, mais ça ne s'annonce un don plus bon là. Et pour l'instant, il y a toujours la NFA qui est en fond, et c'est pour ça que j'ai un peu baissé tout à l'heure, c'était un peu fort. Et ce qui s'empresse maintenant, ça va être l'atterrissage et de bien poser correctement normalement. Alors il y a des petits arrêts sur image, qui est logique. 2000 checked. Voilà, ça y est, on voit la runway in sight. Wow, wow, wow. C'était... Ok, autobike 2. Et à 200 pieds, on déconnectera le pilote auto pour poser normalement. Et il faudra maintenant espérer prier que ça se passe plutôt bien sur cette phase finale. Et pour l'instant, d'après ce que me dit le deuxième radar, il me dit qu'il n'y a pas les haters. Clear train, mademoiselle 06. Ah ouais, clear train, mademoiselle 06. Et il y a du brouillard, ça y est, on vient de descendre. 8 degrés, il en faisait 10. Il y a quelques secondes. Et un grand merci encore à cet autre réseau qui nous a proposé son réseau pour voler et être loin des haters. 1000, we continue. 900. Il en fait plus que... On a perdu... On vient de perdre 2 degrés encore. Je vais reprendre Manuel. J'atterris un peu de travers là. Allez, un bon kiss landing serait bienvenu. Bien, c'était fait là, ça y est, c'est bien se poser. Je crois qu'il y a des applaudissements à l'arrière, donc oui, ça doit être visiblement le cas. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas eu les haters du tout, mais voilà, ça fait du bien. Bienvenue à Orly, c'était le dernier vol. Oh, bah, c'est la même instruction que tout à l'heure, Golf 4.
Alors, je vais vous dire tout de suite, il y a eu moins 201 pieds pour l'atterrissage. Et voilà, bienvenue donc à Orly pour ce dernier vol. Eh bien, j'espère que ces voyages du tournoi à destination vous auront plu. Vous avez vu les photos sur les comptes officiels. Et on a été un petit peu emmerdé par Payano sur Vatim, d'où le fait que nous avions décidé, nous avons décidé, nous et nos équipes, de bifurquer sur d'autres réseaux afin d'être loin de lui. Et il y a eu du changement sur le premier serveur. Voilà, et ça fait du bien de ne plus avoir de haters dans les pattes. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Un grand merci aussi aux messages que j'ai pu recevoir de certaines personnes qui ont vraiment aimé les voyages vers Londres, Cardiff, Édimbourg. Ça fait voyager pendant ce temps-là. Et on a eu beaucoup de likes aussi sur les vidéos des vols de groupe. Un grand merci à tout le monde. Et puis, ça permet surtout de montrer à Clotilde, Anna, Lisa, Julie que le problème ne vient pas de moi, mais bien des haters. Comme je l'avais dit. Mais faudrait-il que ces personnes-là écoutent ce qu'on leur dit? Et dans un instant, vous aurez bien entendu les remerciements vidéo. Voilà, ça y est, nous sommes bien à la porte. Je vais mettre. Oula. Le frein de parc. Je vais remonter l'écran de volet. Et voilà, en tout cas, bienvenue à Orly. C'était le dernier vol du tournoi Destination. Merci de votre fidélité. Il me reste que vous souhaitez une très très bonne soirée. Et moi, je vous dis à plus tard pour de prochains événements. Voilà la fin du tournoi Destination qui s'achève avec un mois d'avance maintenant. Et un grand merci à tout le monde. Salut tout le monde et bonne soirée. Ciao ciao. Eh bien, messieurs, dames, bonsoir à vous tous. Ça y est, eh bien, les vols du tournoi Destination est terminé. C'est fini, il n'y en a plus. Nous sommes arrivés à la dernière et 20e étape. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos messages qui arrivent extrêmement nombreux. Merci beaucoup parce que ça me fait le plus grand bien d'avoir pu vous proposer ces événements en clair, sans les haters. Alors bien entendu, sur le vol du tournoi Destination, tout ne vous a pas été filmé. Vous avez eu des photos sur nos réseaux principaux, sur Discord. Donc voilà, Payano et ses haters ont perdu la partie, comme je disais. Anna, Clotilde, Lisa, Julie, comment elle s'appelle l'autre là? Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui commence par un Z. Bref, tout ça pour vous dire que les gens qui m'inventent une vie, bah ça y est, c'est fini. Voilà, là il y aura déjà moins de vols. Et puis bah maintenant, ça va vraiment se diversifier. Vous allez voir que voilà, on a passé vraiment le plus gros de l'embouchure, comme je le dis assez souvent, le plus gros des événements. Et puis bah écoutez, en tout cas, un grand merci pour tous vos messages, vos commentaires. Moi, ça m'a fait super plaisir. Et puis dernière petite chose que j'avais à vous dire, la bataille continue contre donc les haters. Je prends l'exemple du message de Marie, mais je lui ai répondu, mais c'est une personne inintéressante, tout comme Lisa, Anna, Julie. Et toutes ces personnes qui m'inventent une vie, hein. Je vous prends l'exemple aussi de Clotilde. Je pensais au moins qu'elle aurait été humaine et qu'elle aurait pris de mes nouvelles, mais visiblement non, puisque ce certain Florian décide de sa vie pour elle. Donc voilà, mais bon, c'est décevant, c'est le comportement des gens qui est ainsi, et c'est notre mentalité française. Et c'est pas faute de le dire, hein. Il y a aussi des gens qui voient un petit peu aussi les mêmes choses que moi et qui disent que voilà, c'est notre mentalité qui n'est pas la bonne. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Moi, ça m'a fait super plaisir pendant plusieurs jours de vous couvrir ces événements en photo, en vidéo, en story sur les réseaux. En tout cas, un grand, grand, grand merci parce que ça m'a permis aussi de voir qui étaient les vraies personnes qui suivaient toutes les activités, qui suivaient toutes les stories. Il y a eu très peu de personnes, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir.
Merci de votre fidélité, et puis encore bonne nuit, et puis surtout, s'il vous plaît, le mot d'ordre de la fin de cette vidéo, cessez d'écouter les haters comme Payano, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, Cathy Jovanansky, Ozan Guven, Clotilde, Anna, Lisa, etc., etc. N'écoutez pas tous ces gens qui pensent que j'ai piraté des bases de données ou des sites web, tout ça c'est faux, on vous ment, on vous manipule, on cherche à vous cacher la vérité qui est que il n'y a aucune preuve de piratage informatique, aucun document signé de la part d'entreprise tierces comme OVH, Free, AOL, Google, j'en oublierai, Bouygues, SFR, bref, voilà, toutes ces boîtes-là, s'il vous plaît, vraiment arrêtez de donner du crédit d'intérêt à ces haters et arrêtez de les croire. Faites-vous une opinion par vous-même et arrêtez d'écouter des on-dit qui ne sont en aucun cas révélateurs de vérité. Voilà, sur ce, très bonne soirée, merci de votre fidélité et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux événements. Salut tout le monde, ciao ciao, bonne soirée.